Bonjour, je vous présente les triangles de MacMahon. 24 triangles, hein, des triangles équilatéraux. Vous en faites 24 et puis ensuite vous les coloriez. Hein, vous les partagez en 3 et vous les coloriez avec 4 couleurs. Donc, plusieurs possibilités à jeu. La première possibilité, on en distribue 12 d'un côté, 12 de l'autre. Et puis, par exemple, hein, alors 12, on va, allez, hop, hop. Le premier joueur commence, il met un vert comme ça. Le deuxième joueur doit mettre un côté qui correspond. C'est au joueur suivant. Ensuite, c'est à ce joueur, etc. Le premier qui ne peut plus jouer a perdu. Voilà, deuxième jeu, plus intéressant. Vous allez devoir reconstituer ces figures-là. Alors, on va prendre, tiens, celle-ci, le sapin. Et il faut tout le temps qu'il y ait, voyez, là, c'est vert, donc ça doit être vert. Ici, il faut qu'il y ait du rouge. Ici, il faut qu'il y ait du vert. Ici, du vert. Hop, on va changer un peu de bleu, parce que le vert va s'amenuiser. Ici, du bleu. Ici, du vert. Avec du rouge et du jaune. Voilà, ici, du jaune. Jaune bleu, donc ici du vert. Non, ici on a du rouge. Voilà. On a du rouge. Voilà, du rouge ici. Alors, ici, on a du vert. Ici, du jaune et du vert. Jaune et vert, mais ça peut pas coïncider. Donc, déjà, on a là, est-ce que ça va aller là? Jaune et vert, donc ça va pas. Donc, il faut en reprendre un ailleurs qui correspondent. Alors, si on met celui-là ici, on peut avoir du jaune et du jaune. Non, il n'y a pas besoin. Pas besoin d'avoir du jaune. Voilà. Hop, hein, on est ici, là. Ensuite, du jaune. Du vert, là, il va falloir un jaune, un bleu, voilà, là il faut du rouge, et là il faut du vert, aïe aïe aïe, le vert, on commence à, ok, donc on y est presque, il nous reste un étage, donc là du rouge, là on va prendre, non, du rouge, du bleu. Du rouge, du rouge, du jaune. Du jaune, du bleu. Du rouge, du jaune. Bon, là, vous voyez, on peut plus. Parce que là, il faudrait du bleu, du jaune. Donc, il faut retrouver un autre, etc. Donc là, vous voyez, on n'a pas réussi. Il nous en manque deux à mettre. Malheureusement, il y en a un qu'on ne pourra pas mettre. Vous voyez, ça forme des cubes, en cubes. Voilà comment se joue ce jeu, très intéressant. Alors, par exemple, dans vos écoles, hein, quand vous avez les élèves qui ont fini un travail, eh bien, vous pouvez fabriquer ce genre de petits jeux pour les occuper, bah, soit les faire tout seul, des défis, soit jouer à deux, etc. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Au revoir, merci.